Cette semaine a été sens dessus dessous pour Boris Johnson. Après qu'il a subi une nouvelle défaite humiliante le week-end dernier, son projet de loi sur un accord de retrait a été approuvé par les législateurs mardi, mais, fait crucial, le calendrier proposé par le Premier ministre pour qu'il soit finalisé et transformé en loi a été rejeté peu après. Boris Johnson pensait que 3 jours suffiraient à débattre et voter sur la question, mais il y a tout simplement eu trop d'opposition à cela. Cela a poussé le Premier ministre à suspendre le processus et a décidé à la place d'appeler à une élection générale au Royaume-Uni. Je discuterai avec les États membres de l'UE au sujet de leurs intentions jusqu'à ce qu'ils aboutissent à une décision. En attendant qu'ils adoptent une décision, je dois dire que nous suspendrons cette législation et c'est ce que je dirai à l'Union européenne. Et je rapporterai cela à la Chambre des communes et d'une manière ou d'une autre, nous quitterons l'UE avec cet accord auquel la Chambre des communes a consenti. Deux points clés qu'il faudra surveiller dans les prochains jours. Tout d'abord, l'Union européenne a accepté un report, mais ne s'est pas encore mise d'accord sur sa longueur. Selon des sources, on pourrait avoir la réponse mardi, en se souvenant qu'il existe des tensions au sein des États membres sur cette question. Le Royaume-Uni a demandé formellement un report de 3 mois, mais certains membres, comme la France, en veulent un plus court, peut-être jusqu'à la mi- ou fin novembre. L'idée ici est de mettre de la pression sur le Parlement britannique afin qu'il accepte l'accord actuel proposé. L'autre question est une question nationale pour Boris Johnson. Celui-ci veut une élection dont il pense qu'elle est la seule solution à son problème. Il a suggéré la date du 12 décembre, mais il ne peut obtenir une élection sans l'approbation du Parlement. Or, il a déjà essayé de l'obtenir à 2 reprises et a par 2 fois échoué à obtenir le soutien nécessaire. Il va réessayer ce lundi d'obtenir une élection, mais il semble qu'il ne puisse pas encore une fois obtenir les voix nécessaires pour cela. Donc il y a beaucoup de choses à surveiller, mais aucune véritable certitude sur quand ou même si le Royaume-Uni quittera réellement l'Union européenne.